Hare Krishna. Toujours dans Krishna Balaram Mandir, nous avons un grand plaisir pour accueillir les autres dans nous la cuisine Manjon Veg. Aujourd'hui, nous avons l'équipe Manjon Veg. Nous permet une nouvelle recette pour vous autres. Et bien sûr, suivez-les pour en note. Et qui nous appelle cette recette-là? Un pasta maison. Pasta maison, c'est quoi? Nous pouvons faire une la pâte pasta à la maison. Ça veut dire, là-dedans, qui nous pouvons faire dans la pasta maison-là, nous avons la farine même. Bien sûr, nous avons la carotte. Et vous êtes capable de faire les avec épinards, soit betteraves. Quand vous faites les épinards, vous êtes bouillant épinards là, crasez, faites les vignes pirées, mélangez là-dedans, les pouvez une couleur verte. Et si nous mettons carottes, bien sûr, les pouvez une orange, une jaune. Et si nous faisons avec betteraves, les pouvez une rouge. Vous êtes capable de faire les technicolores, vous autres. Maintenant, là, nous pouvons faire les juste un seul color. Right? Nous pouvons faire les vignes un peu orange, jaune, jaune, comme ça. Qui nous est là-dedans, et bien sûr, mon carotte, mon fini bouilli, hein. Mon fini bouilli, là, t'as l'air pour faire les vignes pirées. Et moi, j'ai un brocoli. À ce moment, mon bête brocoli, je dois mettre mix vegetable, je dois mettre plusieurs légumes, comment je voulais, je dois mettre soja, comment je t'en envie. Mais là, nous avons un fromage même là-dedans, nous avons olive noire, olive vert, persil, du thym, du poivre, gingembre, origan. Et plus, nous avons la crème avec nous avons purée tomate, d'huile olive. Sans tarder, nous allons attaquer. Étudiez, guette bien. Là, nous avons juste du sel avec nos carottes, avec nous la farine. Là, je prends mes carottes avec nos grinders, coupe les carottes là comme ça, nous mettre dans cette grinde là. Et bien sûr, mes carottes, moi bien lavé, moi pas de plisli. Et si je te les plisse, je te plisse, je te. Mais moi, moi pas de plisli. Mon bouillette, mon lave les bien propre, brosser un pinky bien, un pinky neuf. Et puis moi bien bain les carottes là bien baignées, bien propre. Là, c'est mon bouilli. Quand on finit bouilli, l'invite comme ça. Là, moi mettez dans nos mixeurs comme ça. Il faut craser, parce que ça dit bien mou. Mettre ça. Je vais faire des fois quand il bouille comme ça, n'est qu'un jimin se grossir, nous mettons-le. Je vais rouler même là. Voilà. Nous gagnons suffisamment assez là. Là, nous fermons. Right. Nous crase l'yeste. Là, on ajoute un petit guindé là pour lui aider le tourner, crase lui bien, lui vient un bon purée. Un petit peu de l'eau, on ajoute. Voilà. Encore une correct. Ah oui, top net. Super. Voilà. Joli travail. Maintenant, nous avons la farine. Un petit pincé de sel dans la farine. Voilà. Et puis, nous mettons nos purées dedans. Voilà, nous mettons nos du sel. Et avec nous la farine. Bien sûr, la farine pleine, hein, Farata. Là, nous mélangeons. Super. Mélange, il y a besoin un petit peu dur, pas trop largué. Voilà. Là, nous crasons bien. Mettez une jolie sur la pâte. Une la pâte bien sec. Bien sûr, moi, pas de mettre de l'eau, pas de mettre rien là-dedans. Donc, simplement, sa carotte là, sa purée carotte là, avec du sel et de la farine. Là, nous crasons bien comme ça. Right. Et. Il bon là, comment il était. Top net. Il a besoin bien ferme, bien dur. Là, je garde à côté là. Maintenant, je prépare ce topping, je dis la sauce qui nous servir ça. Et nous avons fait différent. Même vous faites la sauce, une la crème, vous mettez une la crème blanche, une sauce blanche. Là, je peux faire avec une sauce rouge là. Vous la crème là-dedans. Voilà. Du thym, origan, gingembre,
avec la crème, plus du sel. Et puis, de l'huile d'olive. Nous allumons les feux. Voilà, petit du feu. Là, nous mettons un peu de l'huile d'olive dans les fonds marmites. Tout à l'heure, nous ajoutons un point de chigui. Nous laissons de l'huile chauffer. Et nous de l'huile peut chauffer. Nous ne pouvons pas laisser trop chauffer pour brûler nos ingrédients, nos bonnes épices. Là, nous mettons sur un zinzon. Et puis du thym. PSI. Voilà. Super. Du poivre. Origan. Et puis nous mettons nos purées. Purée pomme d'amour. Je suis capable de blender pomme d'amour, je te mets libre. Ça aussi, je te casse la vie, pomme d'amour frais, je te casse la vie, pomme d'amour dans la boîte aussi. Ben, purée. Mais pomme d'amour dans la boîte là, on va dire qu'il fait un modèle libon. Ben, pomme d'amour entier, pelé, libre bien rouge. Ça libre. Voilà. Super. Là, nous mettons du sel. Laissez rousser toujours. Voilà, il est bien. Il peut bien mijoter là. Nous toujours le tourne. Et quand il peut mijoter comme ça, il peut cuire. Puis là, nous mettons un petit peu la crème dedans. Il est bien. Voilà. Et comment nous mettre la crème? Nous tournons bien. Nous descendons, l'imparer. Là, l'imparer, c'est nous mettre à côté. Nous réservons, nous gardons à côté, tout à l'heure nous servir. Là, nous mettons de l'eau bouillie. Dans de l'eau là, nous mettons un petit pincé de sel. Nous mettons un petit peu de sel dans de l'eau là. Voilà, un petit plus qu'un pincé, comme je dirais. Allez. Un petit de l'eau, nous laissons bouillir toujours. Là, nous continuons avec nous la pâte. Là, nous coupons la pâte en deux. Nous prenons juste un petit morceau. Nous prenons juste sa boutte là. Nous travaillons avec un aide et un rouleau pâtissier. Voilà. Là, nous pouvons servir un peu beaucoup la farine sec. C'est-à-dire à tout l'air, nous pouvons mettre la farine pour ne pas coller. Voilà, là nous commençons à nous craser. Nous craser pas peur, il pas pour gagner du mal, il pas famille ou nous. Right. Nous craser. Craser bien, pas tracasser. Craser la pâte. Tu veux à tout l'air, moi je peux mettre la farine là. Et ça, nous pouvons servir ça comme une pâte pasta aussi. Et nous pouvons servir ça comme une pâte pour faire lasagne aussi. Et nous pouvons servir comme une pâte ravioli aussi. Pour ravioli aussi, nous pouvons faire ensemble, même la pâte. Nous devons faire un peu bien fine, un petit guinin. Pas trop épais. Si il est trop épais, on va dire qu'il un peu gaucher. Et là, quand on nous fait les fines, pour cuire aussi sur cuisson, il ne pas prendre long. Get ça. Bien saline. Bien facile, get ça. Vous capable de faire revenir pareil. Puis, il est comment vous êtes, la pâte là pour retourner pareil. Et là, vous refaites un peu la farine, là, nous repassons encore, parce qu'à rouler, dresser. Dresser net, un seul coup. Joli garçon. Saline correcte, l'épaisseur. Bien fine tout et ça. Super.
Voilà, nous faisons ça. Vous êtes capable de faire un chigin, on dirait rectangle. Hein? Faire un peu rectangle, c'est facile pour tourner tout ça. Là. On va dire un peu comme ça aussi, long, mince, c'est bon. Là, je mets un peu la farine au lit bien. Je passe la farine au lit. En bas aussi, pareil. Il n'y a pas pour coller. Super. On va voir la poudre, nous va voir comme ça. Là, là, il fan partout. Là, nous tournons comme ça. Petit, petit. On roule. Roule comme ça. Super. Super. Top net. Là, nous gagnons un couteau bien fité. Nous ne pouvons pas coupler comme ça, légèrement. Super. Top net. Et quand je peux coupler, je ne peux pas presser ce couteau-là, je ne peux pas peser ce couteau-là là-dedans. Quand je pose ce couteau-là pour foncer, pour coller légèrement, je peux couper. Vous voyez comment un lacis ou un lanceur comme ça, risser pousser. Là, comme ça, get ça. Voilà. Voilà, nous gagnons suffisamment. Right, là, nous prenons comme ça, nous roulons comme ça, get comment il vient. Nous gardons là. Si je te le coupe plus fin, comme ma mine aussi, je te coupe, mais là, je coupe un petit peu comme ça, on dirait un petit centimètre. Super. Right. Get ça. Il n'est pas collé dans rien là. Comme ça. Là, l'autre. Allez, venez, enfants, get ça. Wow, top net. Voilà. Là, le modèle est bruit. Et quand le modèle est bruit, mon éclair glisse dans de l'eau là. Il n'y a pas de chagrin dans rien. Un petit peu de l'huile dans de l'eau là. Quand on met de l'huile au dîner aussi. On va quand on met de l'huile olive aussi. Dépend de comment vous êtes. Voilà. Là, quand nous mettons comme ça, là, nous ne pas quitter comme ça même. Là, nous avons une petite baguette. Bon. Viens, comme ça. Laisse-les détasse-les comme ça. Et voilà, nos pasta sont presque pareil. Les bruits, regarde comment ils viennent. Regarde ça. Super. Nous allons mettre dans un petit paste. Si vous faites des affaires pour nous faciliter, nous trappons, nous peser. Soit nous sommes capables de gagner un petit bâton. Nous piquons comme ça, get ça. Facile. Pareil là, pénazès. Là, nous tirons. Mais il bien glisse-glisser. Il faut faire bien attention. Pangali tombe. Pangali ou pia, mais ça y est, ou tout. Une vide net. Voilà. Et voilà ce délai d'écouter. Là, nous l'aurons dans nos plats maintenant, comme ça. Super. Et maintenant, nous vide un petit peu de l'huile olive. De l'huile olive. Mettez de l'huile olive. Je vais vous plein papier. Voilà. Vous voyez comment il est bien ça? Il est bien. Il n'est pas collé. Il n'est pas collé. Et là, que nous pouvons faire? Là, nous mettons ce brocoli. Brocoli, mon déjà fini bouillanté. À ce moment, on peut mettre brocoli. Je vais mettre n'importe qui légumes là-dedans. Je suis capable de mettre souffler, si fois. Je vais mettre les légumes qui sont contents, haricots, tout. Nous mettons olive, l'eau là. Olive vert. Et plus nous mettre ça, olive noire. Super. Moi je vais vous dire, la table gras là. Et puis là, je vais mettre la crème là-dedans. Là, la crème là, je suis capable de mettre un peu de sauce aussi, je suis capable de mettre un peu de cheddar aussi pour manger. Là, nous mettons ça, la crème là, comme ça. Waouh, super. Moi je vais vous mettre du lot dans la bouche là. La table gras. Là, la crème là, l'eau là. Aster, pas fini encore. Nous faisons les vins plus gras encore. Aïe là.
Et c'est un gras qui va dire, il n'est pas pour trop déranger nous la santé. Voilà, un peu de fromage là. Voilà, qui vous dit, côte. Et voilà, ça nous passe ta maison, bien facile. Moi, si j'ai étudié, j'ai étudié bien et à le faire. Comment j'ai fini de manger, avant de manger seulement. Ferme partout, mange tranquille, coupe téléphone tout, pour que personne ne dérange. Et voilà, là nous allons présenter un dessert. Et ce dessert-là appelle ça flan castor de mangue. Et bien cher, là nous pouvons gagner mangue bien. Et là nous avons une jolie petite mangue, bien jolie, super. Mangue au chien. Hein? Right. Et puis nous avons la poudre gilet, nous avons castor, nous avons jisik, nous avons la poudre agar-agar, c'est ce qui nous dit la poudre de la mousse. Et puis nous avons un petit peu de pistachio, on finit râper tout. Et puis nous avons un petit grain de safran, ça nous appelle ça jafran. Et puis une couche de vanille. Là où vous trouvez vanille tout naturel, vanille mauricien même, hein? Correct. Et puis nous avons nous de l'eau aussi lila. Là nous allume du feu. Nous laissons nous de l'eau s'offrir. Et bien cher, nous mettons nous gilet là-dedans. Bien. Et puis nous mettons nos castors. Nous délayons bien. Et toujours castors, gilet, tout ça là, quand l'île du fait, nous besoin, quand nous mettons l'île du fait, nous besoin, on dirait, rester avec lui, pas besoin, on dirait, à faire les autres affaires. Si je t'ai à faire les autres affaires, les vinyles, ils brûlent. Quand ils brûlent, ça. Jetable. Pas pour qu'à service. Mauvais l'odeur. Et là, tandis que là, il pour nous faire lit, nous rester avec lui. Et toujours, on dirait un petit diffet, pas besoin, on dirait grand, un petit fait doux, on dit. Pas pressé, on dit, laissez couiller toujours. Là, tous les, nous briller, lit, nous vieillir, lit comme ça. Et bien cher, là, là nous mettons nous, la mousse, la poudre de la mousse là-dedans. Ça dit. Voilà, les cayennes un petit peu. Et puis, jisik. À cette jisik, il dépend. Je suis content, il est bien doux. Je suis capable de piller jisik plein. Et si je suis content, il est un peu fade, un peu de contrôle, là, je mets bien un petit peu jisik. Et toujours, je toujours, dis comme ça avec jisik, pèse un peu frein, pas accéléré. Là, nous tournons, nous continuons à vivre comme ça. Mais là, nous avons allé à l'eau topping, nous prenons nos safran avec nos pistachios. En attendant qu'il bouille toujours, nous fait vivre toujours. Et là, en même temps, nous avons la vanille. Là où vous trouvez, nous avons nos couches la vanille, toujours nous fanny comme ça. Voilà, nous ouvrons les et puis, comme ça, ouvrons les bien. Super. Voilà, mettez-les là-bas. Super. Parfait, la vanille là, il y a où super net. Top, là un petit peu, il gagne ça suffisamment correct, là nous garde ça à côté. Voilà. Maintenant, nous plus nous manque toujours. En même temps, l'esprit part ici. Là, fini mettre sur la vanille, fini mettre tout là. Parce que nous plus nous manque.
gentiment mire et au cas soit gentiment un peu dur aussi parce que nous pas pour faire les vins comment tirer ça t'as l'air de pouvoir guetter comment nous peut faire les il y a une plus nous man super ouais. Toujours nous continue tourner ouais. Là nous fait tourner toujours nous coupe nous manque toujours. Super. Voilà. Là, nous toujours, si nous avons une place qui nous chopping board peut glisser, nous pouvons mettre un petit la toile en bas pour ne pas poser. C'est une facilité pour nous. Voilà. Là, nous coupons ça comme ça. Nous faisons des petits cubes, petits cubes. Super, là nous gardons dans un petit bol comme ça. Super, bien facile. Ici, cuisine. Voilà. Ça dit bon. Toujours nous continuons de tourner. Astel, tout travail est fini par ici. Là maintenant, nous tournons comme ça. Et voilà. Là, il finit pareil. Bien sûr, vous pouvez tout lui reste liquide comme ça. Mais quand nous mettons dans nos coupes de serre comme ça, et puis vous gardez lui pour finir cailler tout le là. Là, nous mettons dans nos coupes, nous laissons frais un peu. Là, nous avons besoin de mettre les seulement avec beaucoup de précautions pour laisser couler. Voilà. Avec précaution, nous prenons les chicken, nous mettons les là-dedans. Vous trouvez les liquides, mais après, les pour cailler ça. Nous pas besoin de plein de choses net, mais. Un petit espace correct. Là, Aster, nous met ça là-dedans comme ça, nous plein l'autre là. Mais avec précaution, pas laisser couler. Donc, là. Et ça, vous pouvez garder dans le frigidaire tout, laisser glacer. Servir ça glacé encore plus. Il y a aussi peur. Voilà, là dit comme ça. Astaire nous prend sa mangue là, nous mettons là-dedans comme ça. Right. Ça salia mangue, ça salia qui est là-dedans la mangue là, dit pour vin mol en chigin. Voilà, ça correct. Et Astaire, un chigin, saffron, oups. Là, comme ça. Là, voilà, nous mettons les chigin comme ça, Jafana, là. Correct, il est bon. Ça, Jafana, il donne un bon. Oh, là, on peut manger, ça parfait, là, correct. Ah, c'est un chigin pistache, là, encore pas, fini. Pistache, si fa badame, on met ensemble. Parce que quand on peut manger, quand on dit pour cailler, quand on peut manger ça, extra super. Je dis, oui, super. Faire ou la cuisine, dans ou la case même, 25 étoiles. Aïla. Et voilà, ça, un petit dessert qui nous fait pour vous. Et il est bien facile. Et nous enfants même à le faire, ça. Et à le faire, après, quand je peux manger, je dis, ou même, enfin, moi, pas pour dire, ou même pour contre tout.
Et voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Et nos programmes sont terminés là. Et nous pouvons continuer à venir avec un nouveau programme. Et je vous souhaite Hare Krishna. À très bientôt. Bye bye.